Les Chiefs traversent leur première période creuse de la saison. L'attaque a été blanchie en deuxième mi-temps lors des trois derniers matchs, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe. Imaginez, depuis que Pat Mahomes a pris les rênes de l'équipe en 2018, les Chiefs n'avaient pas marqué de points en deuxième demi seulement deux fois avant cette séquence. Casey se mesurait aux Raiders. Patrick Mahomes a un dossier de 9 victoires, une défaite contre les Raiders au cours de sa carrière. Quoi de mieux pour se relancer, hein? Le Mahomes show devra attendre, par contre. Invaincu en deux matchs à domicile, Aiden O'Connell rejoint Jacoby Meyers sur 18 verges. Viva Las Vegas! L'attaque des Chiefs a juste récolté 12 verges au premier quart. Au début du deuxième, Josh Jacobs en récolte 5 fois plus sur un seul jeu. Touche au sol de 63 verges, son sixième par la course cette saison. Mahomes et les siens s'activent en fin de deuxième quart. Isaiah Pacheco inscrit les siens au tableau, puis MV Pat rejoint Justin Watson. Les Chiefs créent l'égalité 14 partout. Casey mène par une possession en fin de troisième quart. La connexion O'Connell-Meyers refait des siennes pour Vegas. Un catch digne du Cirque du Soleil. Les Raiders s'approchent à 4 points. Plutôt moche en début de match, bien, l'attaque des Chiefs semble bel et bien de retour sur les rails. Mahomes lance sa deuxième passe de toucher et Rishi Rice inscrit le toucher sur 39 verges. Victoire des Chiefs 31-17. Andy Reid signe sa 125e victoire en tant qu'entraîneur des Chiefs, ce qui établit un record de concessions.